est-ce que tu te dis que le zéro déchet, c'est pas pour toi? C'est trop radical, trop chelou, que ça demande trop d'efforts. Je suis super content de faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je te raconte mes débuts dans le zéro déchet, comment j'avais tous ces préjugés et je suis passé de sceptique à adopter une démarche zéro déchet. Salut, c'est Pierre de Changer le Monde en 2 heures pour apprendre à changer le monde à son échelle. Et cette semaine, je te partage 3 vidéos pour débuter dans le zéro déchet. Pour faire simple, le zéro déchet, c'est réduire ses déchets. Alors, je suis pas Bea Johnson, je suis pas un expert du sujet et c'est justement pour ça que j'ai envie de te faire cette vidéo sur les préjugés du zéro déchet. Parce que jusqu'à très récemment, moi, le zéro déchet, personnellement, je trouvais que ça avait l'air chiant. Genre pas très sexy quoi. Zéro, déjà, t'as la notion d'effort et déchet, bah, ça te fait penser à une poubelle quoi. Ouh, ça envoie du rêve. Ça me semblait radical. Bea Johnson a fait rentrer tous ses déchets non recyclables, non compostables dans un bocal, ses déchets de 1 an. Bah, enfin, c'est cool pour elle quoi, mais enfin, moi, c'est à des années-lumière de ma vie, donc trop radical pour moi. Du coup, j'avais l'impression qu'il fallait faire énormément d'efforts. Et surtout, je me disais, bah en fait, c'est pas pour moi, tu vois. Il n'y a que des filles qui en parlent, elles parlent de faire leurs propres cosmétiques, moi j'en ai pas, enfin... Non, c'est pas pour moi. Du coup, depuis 2 ans, j'en entendais parler, mais j'accrochais pas parce que ça me parlait pas personnellement. Peut-être que c'est ton cas et c'est normal. Moi, perso, j'avais jamais été sensibilisé à ça avant. Tu vois, mes poubelles, je les sors comme tout le monde, le camion poubelle, il les embarque, et après, tu les vois plus. En fait, nos déchets, ils disparaissent de notre vue, du coup, on se rend pas compte à quel point c'est un problème écologique. Je me suis jamais demandé si le nombre de poubelles que je produisais c'était excessif ou pas, enfin ça a jamais traversé mon cerveau. Le zéro déchet c'était juste complètement nouveau pour moi. Et donc les premières fois que j'en ai entendu parler, bah, j'ai tout de suite eu ces préjugés et ces premières mauvaises impressions que c'était radical, chiant, ça que demandait plein d'efforts et que c'était pas pour moi. Et du coup c'est surtout ça que j'ai retenu à chaque fois qu'on m'en parlait de nouveau. J'avais du mal à cerner ce que c'était. Et comme c'est un sujet nouveau, bah ton cerveau il a aussi besoin de temps quoi. De remettre en question ses habitudes et de déconstruire les préjugés qu'il a construits. Jusqu'à il y a 1 an où j'ai participé à un pique-nique zéro déchet de ma pote Laetitia, une youtubeuse que tu connais peut-être de Le Corps, La Maison, L'Esprit, c'est le nom de sa chaîne. Bisous Laetitia si tu passes par là. Et pour la première fois depuis que j'avais entendu parler de zéro déchet, je me disais « Ah, c'est ça en fait, mais j'avais rien compris !» Jusqu'ici, moi je croyais que le zéro déchet c'était un truc extrême où tu dois faire entrer tous tes déchets d'un an dans un bocal. Donc forcément c'est inatteignable pour la plupart, enfin 99% des gens quoi. Alors que pas du tout, ça c'est genre l'objectif ceinture noire, ou en tout cas c'est la direction vers laquelle tu veux tendre, c'est l'idéal. Mais l'objectif c'est d'abord de, en général, réduire tes déchets, peu importe d'où tu pars. Et là, ça me semble vachement plus accessible. Ensuite, deuxièmement, ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, il y avait 1000 et 1 manières de faire du zéro déchet. Comme moi, quand je te parle de micro-engagement, il n'y a pas que le bénévolat. En fait, il y a plein de manières d'agir à son échelle. Bah là, c'est pareil. Jusqu'ici, j'avais entendu parler de faire ses propres cosmétiques zéro déchet. Moi, perso, je m'en balance. En tant que mec, bah, j'utilise quasiment pas de cosmétiques, j'ai pas de crème hydratante, de maquillage, etc. quoi. Faire ses propres éponges, bah, à l'époque, ça me parlait pas plus que ça. Par contre, remplacer les centaines de coton-tiges en plastique que j'achetais par un auriculi, un coton-tige en bambou réutilisable, bah, du coup, à vie, bah ça, ça me parlait, ça c'était à ma portée. Je me disais, ouais, pourquoi pas. Pareil, l'idée de faire mon propre déo, là, ça m'interpellait parce que je venais de découvrir que dans les déos, souvent, il y a de l'aluminium et plein de cochonneries qui peuvent être cancérigènes, par exemple. Et du coup, bah ouais, en fait, moi, l'angle qui me parlait, c'était l'angle de ma propre santé. Et 3, bah, dans ma démarche minimaliste, en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà commencé à faire des trucs zéro déchet, sauf que je savais pas. Par exemple, j'avais viré des pousse-pousse de savon en plastique dans ma salle de bain que j'avais remplacé par un pain de savon. Parce que c'est quand même absurde d'utiliser du plastique alors que t'en as pas besoin. Et en plus, un pain de savon, bah, ça dure vachement plus longtemps. Et en faisant cette vidéo, je me rends compte à quel point c'est marrant comment des fois, il faut qu'on nous répète les choses 10 fois, surtout quand c'est un sujet nouveau, pour qu'on finisse enfin par comprendre ce dont il parle. Tu vois, le fameux « comprends vite, mais il faut qu'on m'explique longtemps ». Bah, pour moi, en fait, c'est 1, le temps qu'on déconstruise nos préjugés, et 2, le temps qu'on trouve une porte d'entrée qui nous parle. Et depuis 1 an, depuis ce pique-nique zéro déchet, en fait, j'ai interviewé Hélène du projet Edenic, je te mets la vidéo juste en haut là, Julien Vidal, évidemment, de « Ça commence par moi », et j'ai plusieurs potes qui sont mis plus ou moins au zéro déchet. Tout ça pour te dire qu'il a fallu qu'il y ait plein de personnes qui m'en parlent avec des angles d'approche très différents les uns des autres pour qu'enfin je commence à peu près à comprendre ce dont il s'agit. Et surtout pouvoir trouver une porte d'entrée qui soit à ma portée, des micro-engagements, des astuces zéro déchet qui moi me parlent et que j'ai envie de mettre dans mon quotidien pour que je puisse me dire
ah bah je croyais que le zéro déchet c'était pas pour moi, et en fait bah peut-être que si. Parmi toutes les manières de faire du zéro déchet, c'est aussi à toi de faire le tri dans ce qui te parle. Et c'est pareil dans les micro-engagements que je te propose. Et en fait, c'est le fait d'être exposé régulièrement à ces messages et à des personnes qui ont une démarche zéro déchet qui a fait que j'ai fini par en adopter une. Donc c'est la répétition qui est la base de l'éducation, et ça c'est genre la base. Et c'est grâce au micro-engagement des autres, en fait, que moi j'ai pu commencer à me micro-engager. D'où l'importance du micro-engagement, une fois de plus. Mais tu n'en doutais pas. Aujourd'hui, je vais à mon rythme, tranquillement, pour avancer dans ma démarche zéro déchet. Si tu as des préjugés sur le zéro déchet comme moi il y a quelques mois, franchement, je comprends parfaitement, j'ai de l'empathie. Si tu veux, on peut en discuter dans les commentaires. Clique ici pour voir mon interview d'Hélène de Edeni qui a fait rentrer tous ses déchets de 1 an dans un bocal. Si t'es nouveau, bah bienvenue, salut, vous êtes plus de 1000 nouveaux par mois. Abonne-toi pour découvrir les prochaines vidéos sur le zéro déchet et la question du jour. Et toi, quelle image as-tu du zéro déchet? Ciao!